Joseph Kabila. Regarde-moi encore. Tu me connais, n'est-ce pas? Tu voudrais revenir au pouvoir, faire quoi? D'abord, tu ne veux pas revenir parce que c'est toi qui as toujours été là-bas. Avec les accords que tu as signés, avec les voyous, l'imbécile et l'idiot utile, Félix Tshilombo, qui pendant les 4 ans, il n'a rien fait. C'est toi qui étais là-bas. Il n'était que votre cheval de Troie, derrière lequel et dans lequel vous, les Tutsis, vous vous cachiez. Tu veux venir faire quoi? Tu as passé 18 ans en train de voler, de tuer les gens. Peux-tu nous montrer qu'est-ce que tu as fait? Tu voudrais réitérer le jeu que l'ancien et feu président ghanéen a fait, qui s'appelait Jerry Rawlings. À 3 reprises, il a fait coup d'État. Il a démocratisé le Ghana. Il a créé un sens de leadership. Et à sa capacité, il a pu construire quelques infrastructures qu'il pouvait avec le budget qu'il avait. Toi, tu as construit quoi au Congo? À part tuer les gens, voler des terres, coucher les femmes d'autrui, parce que tu es né dans une famille de pauvres, tu n'as jamais vécu de l'abondance. On a fait au Congo, on a stocké à Mali, on a stocké à Tchè, on a stocké à pouvoir, on attend à Kouina, et tu te crois que tu es éternel. Joseph, ce qui te conseille, hein, qui te prennent pour un dieu, qui te disent, as-tu un coup de choc? Il te trompe et il te dévie. Il te flatte dans ce qu'on appelle le sens du poil. Ils sont en train de te gratter sur le pubis de ton pénis. Et alors ton pénis est en érection. C'est ça, ce qu'on appelle le sens du poil. C'est en érection de sentiments politiques où tu crois que tu es un vulnérable. Reviens, tu verras. Mavia mamako. Weye na Katumbi, na Sesanga, na Félix, na Shadari. Na bangine, mavia ba mama yenu. Le Congo est fatigué d'un leadership boiteux, incompétent, malhonnête. Je répète, mavia ba mama yenu. Naiki kitukano niko nampatia imukojoleshe mu pantalon yenu. Na msikia harufu ya mkoyo yenu ine na jaa pombe. Mavia ba mama yenu. Vous pensez que le Congo existe exclusivement pour vous? Amskiataya. Vous devez quand même avoir honte. Bana mboka bana Kongo mbote. Deuxième partie, il y a les lots, il a consacré en gros quelques minutes seulement, la batomi balé misato. Mata Tamponyo, Moïse Katumbi, Félix Tshilombo et peut-être les autres. Mata Tamponyo, Tolandi
La déclaration là-haut, tu t'affiches avec ce que tu appelles les opposants. Bah, opposant à Kinshasa. C'est Sanga. Et c'est lui-là qui dit qu'il a gagné comme élection. Oh, il est kaki, là-bas, 2018. Matata Mponyo. Le lot est allé mi-balété. Tu as mis ça dans un azo ko yebisa ok ngana yebio yo yebinga ite ngana yebio Kalunda Bululu l'ancien premier ministre alobaka ke yo oyaka na gbadolite ma délégation aba étudier à Rwanda. Tu ne savais pas que moi j'étais là. Matata Mponyo, yo ozali Rwandais de père et de mère. Quand ils construisent l'université à Kindu ou n'importe où, tu penses que Wanani est comme ça la propagande naïo? Tu as bien fait de construire une institution il y a éducation pour la bonne abysse parce que les hommes bons abysse sont des yibaka. Et puis, ils ont continué à yiba. Tu es un voleur, un menteur, un voleur, un détourneur de biens et de deniers publics. Et tu mourras et les biens matériels, les cotiques à la caca. Et tu as bien fait de construire une université pour Nabana. Sauf qu'après ta mort, cette université qui est privée pour le moment, on se demande comment est-ce que les enseignants y seront payés si le gouvernement ne reprend pas la gestion de cette université pour payer les salaires des enseignants. Mais toutefois, c'est symbolique ce que tu as fait d'une manière négative parce que ça ne sort pas de ta bouche. Tu as volé Mbongo, il y avait un projet Mingi où ils allaient énumérer sur oui, dans les raisons publiques. Et sociaux. Le lot, tu te présentes comme un opposant. Opposant à qui? Toi, Moïse Kafioto, Hippolyte Kajamber Kafioto. Vous êtes des opposants à qui? Vous devez cesser de vous moquer de la population congolaise. Vous prenez cette population pour une population sotte, ignorante des enjeux de l'heure, ignorante de tout ce qui se passe à travers le monde. Oui, la population congolaise n'est pas la première population à être leurrée par ce soi-disant leader, entre guillemets, dans l'histoire du monde. La Révolution française, à laquelle nous nous référons de 1789, a eu lieu à cause des abus similaires que ceux bozokosala na Congo. Les Illuminati, l'Église catholique, et le reste avait écrasé la population française à l'époque, avec la complicité de la monarchie française, de Louis XVI, qui finit par être guillotiné, lui et sa femme. Ce qui s'est passé en France à l'époque, Yango Ezoko le Kawa, parce que les Illuminati n'ont jamais disparu. Ils sont toujours, dans le gouvernement, Nyoso, à travers les loges maçonniques. Ils sont là. Mais il a fallu que le peuple se soulève pour qu'on puisse, d'une manière ou d'une autre, démocratiser la France et que la France propage
sa révolution à travers le monde. Mais l'Église est demeurée complice et certaines familles riches, telles que la famille Rothschild, qui étranglent le peuple français, tirent les lots. Mais beaucoup de gens se sont inspirés de cette révolution. Yango Tumwona, par exemple, na Roumanie, l'ancien président communiste Nicolae Ceaușescu, lui et sa femme Elena, les militaires en avaient marre et un tribunal d'exception à l'époque les avait fusillés publiquement. Yo Matata Mponyo. Yo Sesanga. Yo Hippolyte Kajambere Kanembe qui voudrait revenir au pouvoir. Yo Nassim Soriano Dagnano alias Moïse Katumbi. Et toi, l'homme de Bandundu, propriétaire de l'hôtel Fedam House. Yo, monsieur Félix Tshilombo. Yo, Jean-Pierre Bemba. Et le reste. Vous pensez que la population ne connaît pas vos pistes d'atterrissage à la politique? Le peuple a yébiqué. Jean-Pierre Bemba. Ozali Moto, il y a le président ougandais, Yoweri Museveni, qui est un Tutsi, n'est pas un Ougandais, bien qu'il massacre, et pendant la quarantaine d'années, il n'a fait que massacrer les Ougandais pour installer les Tutsis. Il ignore qu'à sa mort, la plupart de ces gens qui l'appuient peuvent fuir, comme ceux-là qui soutenaient beaucoup de dictateurs au monde qui avaient pris d'autres chemins. Lelo yoyo Jean-Pierre Bemba, Ozoke Nakivu, pour répandre un message d'affaiblissement auprès des Wazalendo et des Kivusiens pour leur dire « déposez les armes ». Ce qui est important pour nous, c'est la paix, c'est l'unité. Ben, comme d'aucuns l'ont dit, qui t'a dit que les Kivusiens et les Congolais sont désunis? Nous avons et nous sommes toujours ensemble. Si nous n'étions pas ensemble, le Congo allait déjà se disloquer. C'est parce que nous sommes ensemble que les ennemis, les envahisseurs, bazali kokoko abisoté. C'est parce que nous sommes ensemble. Donc, ce n'est pas l'unité n'est aucun coupé chez des gens qui ont toujours défendu le Congo et les Congolais. Parce que, comme je l'ai toujours dit, n'eût été les Kivusiens. Les Congo partaient. C'est nous les Kivusiens qui sommes les gardiens de la République. Nous sommes les boucliers de la République. Et permettez-moi de continuer à dire, nous sommes les avant-gardistes de la révolution depuis que le Congo est Congo. Parce que, à part les Katanga, la plupart des menaces est outaka toujours dans l'Est. Et c'est nous qui en sommes les victimes et c'est nous qui protégeons toujours le Congo parce que nous avons toujours voulu garder l'unité et protéger l'unité du Congo. Toi, en tant que ministre de la Défense, comme quelqu'un te l'a dit dans un message audio, tu ne connais pas ta description des tâches. Ministre de la Défense, métaphoriquement, ça signifie tu es ministre de la guerre. En allant au Kivu, tu es allé montrer seulement ta taille et rien d'autre. Tu vas demander aux Kivusiens, des grands combattants Kivusiens, de déposer leurs armes. Eh bien, bateau de Kivu,
Ne soyez pas des naïfs. Comme mon frère Robert Mbello vous l'a dit, et l'autre qui a lancé un message en audio. Ne parlez jamais de l'aide que Félix Tshilombo a occupé Sabino. Ne parlez jamais de notre gouvernement. Oh, notre gouvernement. Ce n'est pas votre gouvernement. Ne soyez pas naïfs. Tshilombo. Et ceux-là que je viens d'énumérer sont tous le même. C'est la même personne. Ils sont tous au service des envahisseurs et des occupants. Ne soyez pas des naïfs. Nawazamu na nesiki ya vizuri sana. Muzidi kupikana tu. Félicitations à vous. Je pense que atuko coordonné très bien que nous sommes incapables ya kuatumia zawadi. Parce que chaque fois que tu entends kutuma kitu, une fois que ça atterrit entre les mains de quelqu'un parmi vous, anakimbia nayo na nabadrisha c'est ce qui fait que nous autres, nous soyons des réticents. À tout le million, à tout le kitu, mais un dollar, il n'y a pas de panne. Quand c'est bien coordonné, quand c'est bien géré, il n'y a pas de panne. Mais ce qui s'est passé depuis tout ce temps, et ceux-là qui ont par exemple escroqué, personne, nous, sur les chats, ou tout ma coule. Bikuna niona kama batuko na nani na bahati ya kuniona mwonani mu ekran. Tunatuma quelque chose comme ça. Bwatu bana kimbia. Bana badirisha ma numero ya telefone. Mais tuko tunamufelicite, persévérer. Ne parlez pas de gouvernement, ça n'existe pas. Tunapasha tu kulinda udongo wetu. Jimbo letu, migini yetu, popote kwenye tuku, tulinde watu. Ne parle pas de gouvernement, parce que wale watu ni wadui. Ce que nous devons faire, lengo letu, inapata kwenda kufanya bitu, par exemple, ba afidele faki wakati, ni kwenda Kinshasa na kupika kude, ta kuwaua wale watu watu wale. Oh, Moïse Katumbi anakuya yuko na wadone mabeshi, yuko na wadone ba lampe ya petrole. Ce n'est pas ça comparativement à tout ce qu'il a volé et qu'il continue à voler. Ne croyez pas à ces gens. Chama cha mapinduzi cha watoto wa Kivu inapasha continuer. Kivu Ozaïre Katanga Toi, que c'est what? C'est parce que c'est nous qui sommes sacrifiés. Nassem, Fayulu, Sesanga, Soriano Dagnano, alias Moïse Katumbi, Félix, Kanambe, Mata Tamponyo, qui se disent ils sont des opposants. Shadari, ce sont des Tutsis. Hein? Ce sont des Tutsis. Ni watu wapo wanatumika sous le leadership ya watutsi. Mupigane tout. Et ne croyez pas en ces gens. C'est une bande de farceurs, de voleurs, de menteurs et de manipulateurs. Hippolyte Kajambere Kanambe, wewe mwenyewe unajiita kama Joseph Kabila. Regarde-moi encore. Tu me connais, n'est-ce pas? Tu voudrais revenir au pouvoir faire quoi? D'abord, tu ne veux pas revenir parce que c'est toi qui as toujours été là-bas. Avec les accords que tu as signés, avec les voyous, l'imbécile, et l'idiot est-il, Félix Tshilombo, qui pendant les 4 ans, il n'a rien fait. C'est toi qui étais là-bas. Il n'était que votre cheval de Troie, derrière lequel et dans lequel
Vous, les Tutsis, vous vous cachiez. Tu veux venir faire quoi? Tu as passé 18 ans en train de voler, de tuer les gens. Peux-tu nous montrer qu'est-ce que tu as fait? Tu voudrais réitérer le jeu que l'ancien et feu président ghanéen a fait, qui s'appelait Jerry Rawlings. À trois reprises, il a fait coup d'État. Il a démocratisé le Ghana. Il a créé un sens de leadership. Et à sa capacité, il a pu construire quelques infrastructures qu'il pouvait avec le budget qu'il avait. Toi, tu as construit quoi au Congo? À part tuer les gens, voler des terres, coucher les femmes d'autrui, parce que tu es né dans une famille de pauvres, tu n'as jamais vécu de l'abondance, on a fait au Congo, on a stocké à Mali, on a stocké à Tché, on a stocké à pouvoir, on attend Kouina, et tu te crois que tu es éternel. Joseph, ceux qui te conseillent, hein, qui te prennent pour un dieu, qui te disent « As-tu un coup de choc ?» Il te trompe et il te dévie. Il te flatte dans ce qu'on appelle le sens du poil. Ils sont en train de te gratter sur le pubis de ton pénis. Et alors ton pénis est en érection. C'est ça, ce qu'on appelle le sens du poil. C'est en érection de sentiments politiques où tu crois que tu es un vulnérable. Reviens, tu verras. Ma vie, ma mère. Weye na Katumbi, na Sesanga, na Félix, na Shadari. Na bangine, mavia ba mama yenu. Le Congo est fatigué d'un leadership boité, incompétent, malhonnête. Je répète, ma vie ba mama yenu. Naï ki tukano niko nampatia, imukonjole chez mon pantalo yenu. Na musiki ya rufi ya muko yenu, ine na ja pombe. Ma vie ba mama yenu. Vous pensez que le Congo existe exclusivement pour vous? Vous devez quand même avoir honte. C'est ça le panafricanisme? C'est ça être noir? Qu'est-ce que nous reprochons encore à ce que nous appelons des blancs? Si nous, les noirs, qu'on provient de quel pays nous devons continuer à nous faire souffrir? On ne refuse pas, et plusieurs fois j'ai dit ça dans mes interventions. Quand ils proviennent de Rwanda, quand ils proviennent de la Tanzanie, qu'est-ce qui empêche que ou j'approche na ba besoin abat bangine? Nicolas Sarkozy, c'est un Roumain, a fait un Hongrois. Je pense parmi ces deux pays là-bas d'où son père provient. Mais il a travaillé pour la France. Bien qu'elle toque à quoi Kadhafi. Mais il y a des gens comme ça. Et ils ont fait l'essentiel. Donc pour vous, les loges maçonniques dans lesquelles vous êtes entrés, c'est seulement tuer les gens, faire souffrir les gens, voler, piller, détruire, c'est tout ce qu'il y a. Toi, soi-disant Joseph Kabila, c'est tout ce qu'il y a dans ta tête. Faire du mal. Ton ADN ne vibre que par ça, faire du mal. Heureusement que la vie a une fin. Heureusement. Unyangale mzuri. Aucun de nous n'est éternel. Nous allons tous mourir. Et tout ce que tu as pu amasser pendant ces temps, ba macho enyu na jenga, ba nyumba, ba hotel ku Maroc, ba stade na jenga ku Tanzanie, ku Afrique du Sud, popote,
au lieu de créer le bonheur collectif de ce pays qui t'a vu venir pauvre et qu'aujourd'hui tu deviens riche. Au lieu de te concentrer, de faire le focus sur ça. Mais, on a déplacé bonheur ailleurs. Laisse-moi t'appeler mon frère humain. Tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Wangaliye, on a toqué à Wapi. Tu es un pauvre, beaucoup masquine. Soriano Dagnano, Moïse Katumbi, beaucoup masquine. Nye bote mouna pena kuya kukongo sabu gane. Sababu kongo njo shamba yeno. Alo, unaweza kuruine, kudetruire shamba yenye kuna kukulisha. Na kama unapata mimea kwele shamba kwenye kuna kula. Sababu gani awezi kugaonya au na watu wengine. Tu ne peux pas manger tout un champ toi-même, une ferme toi-même. Sikia hii, ndugu yangu, l'être humain que tu es, mwanadamu. Sisi wote tutakufa. Et nous allons tout laisser ici, comme on dit. On va nulle part, on meurt, c'est tout. Tout ce que tu as pu amasser, tout ce qu'on nous a dit, les Panama Papers, ulituma pesa kwa banki yote, popote, duniani, popote, ça va rester là-bas. Wazungu wataikula. Pahali ukamati le mali, ujenge ba autoroute, utie jina yako, autoroute, comme tu veux t'appeler Joseph Kabila, autoroute, Bemba, autoroute, ceci et cela. Tu veux satisfaire seulement ton ventre. Tumbo yako, na tumbo ya watu wengine, ni namna moja. Unakula, unayamba, unakojoa. Ça ne te donne pas la longévité. Ça ne te donne pas l'éternité. Ça ne garantit pas ton immortalité. Mais ce qui fera ton honneur, c'est de créer bonheur collectif. L'altruisme humain devrait pendant tout ce temps t'inspirer. Sababu, omezaluya, mujamii ya umaskini, uko maskini na utakufa maskini sababu tu es un radin, tu es un égoïste, tu es un arriviste comme Félix Tshilombo, comme le reste, vous êtes tous des pauvres, vous êtes des voleurs. Le père de, comment il s'appelle, de Jean-Pierre Bemba, c'est un Portugais qui est venu, il n'avait rien, il est venu faire son aventure avec sa peau. C'est tout, chez les nègres. Mais tout ce qu'il a pu amasser, c'est le couvre. Ça sera la même chose avec toi. Tu es dans ta cinquantaine, Félix vient de fêter, je ne sais pas, ses soixantaines. C'est quoi tout à couvre? Lakini, ah, watu, que vous faites souffrir, vous allez voir, ce n'est pas bien d'être un traître et d'être un égoïste. On doit travailler pour le bonheur de l'humanité. Joseph, on a dit ce qu'il y a? Moïse, on a dit ce qu'il y a? Félix Tshilombo, on a dit ce qu'il y a? Fayulu, Ngemewa, Ngemewa Mounou. C'est ça. Matata Mponyo, Eshadare, nye muko batuti. Mwanasikia putu nasema? Le Congo vous a accueilli. Et vous endeuillez le Congo. Vous tuez la, vous réduisez la démographie. Vous appauvrissez les gens. À cause des accords maçonniques que vous avez signés avec les soi-disant blancs. Ceci, comme je l'ai toujours dit, c'est pour le Congo de Lumumba, de Kasavubu, de Kimbangu, de Kimpavita, de tous les Congolais qui luttent, de tous les martyrs Congo, des Congolais, pour que le Congo demeure
Le Congo ne disparaîtra pas à cause de votre égoïsme, à cause de votre incompétence. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. www.congomasolo congomasolo.com avec Congo Dialogue congomasolo là makam wa danger dit kitoko Congo Dialogue.